pour devenir un héros, ce n'est pas difficile. Alors on se retrouve pour un colis, on est en week-end double XP. J'ai rien à faire donc je colis, hein. Moi personnellement je n'XP pas plus que ça, même si je fais un peu de PVM, que je mets pas le pack de ma guild, simplement pour essayer de remonter un peu au leader du let au niveau des éca flip. Donc on se retrouve, j'ai pas regardé les équipes vu que j'étais en train de lancer le logiciel, on se retrouve avec un sacrieur R vu le quoi quoi et un Kra Ellsworth qui est sûrement terre vu qu'il a lancé la punitive et on se retrouve face à Tunas World, un Yopter. J'ai joué mon tour, ensuite on présentera l'équipe adverse. Non, on n'a rien à gagner au niveau des boosts de rester là ou quoi que ce soit. Donc et bien tout simplement on va pouvoir aller rusher, se booster, etc. Faire tout le blablabla, j'ai envie de dire. Même pouvoir avancer encore et se donner des PM. Le mieux. Je vais me mettre là. Au pire, on verra bien. Donc en face, c'est moins équilibré que nous quand même. Parce qu'en face, il y a quand même bon un Yopter 200 en 10-5. Un Enik sûrement haut 185 en OR ou O, je sais pas, on verra bien. Et ensuite on a nos limites, un Kras 194 en Boréal. Donc c'est vrai que quand même, au niveau de ce colisum là, c'est vraiment pas très très équilibré. Mais au moins ça sera petite victoire facile. Et ainsi donc, et bien tout simplement des colisétons et d'XP gratos. Hein. C'est week-end double XP, donc on va au moins gagner du 7 millions par pex. D'ailleurs, n'hésitez pas à en profiter à faire du colis si vous n'avez pas la possibilité de faire du PVM, etc. Faut pas hésiter à en faire. Donc en tout cas, on prend tout simplement tout l'XP parce que c'est gratuit. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire Una? Una, ça serait bien... Ah, il a invoqué son épée volante. Ça serait bien qu'il nous amène... bon après je sais pas trop. Bon la colère de Yop qui est lancée de Stone Sword de l'équipe rouge. L'Eniripsa après c'est pas non plus une grosse menace. Je veux dire il est haut donc il va pas soigner. Vraiment la plus grosse menace de ce combat là pour moi c'est vraiment le Yop 200. Donc on verra bien ce qu'on peut faire. Ellsworth qui est en train de se booster, qui a toujours pas tapé à son tour 2. Bah moi non plus hein, je suis même pas sûr que je vais pouvoir taper. En fait ça dépend vraiment comment eh bien, va se positionner nos limites. Oh, sinon je pourrais pas faire grand chose que des griffes joueuses level 1 à travers le mur sur le Nini. Donc on fera ça, ça sera toujours ça de fait. Ah, l'œil de taupe sur nos limites, mais je pense que nos limites il va aller s'abriter de ces genres. Il va aller prendre les PA, à moins qu'il les ait déjà pris, je sais pas. Ouais, il y a déjà le mot stimulant qui a été lancé. Ah ouais, mais voilà, ça va jouer soft, c'est normal. Ça va essayer de se donner des PO et ça va même rester planqué au prochain tour. Ça va retourner derrière. Ah non, ça va pas retourner derrière l'obstacle. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si j'ai toujours des PM. Non d'accord, j'aurai plus de PM prochain tour. C'est pas très très grave. Je pense qu'on peut toujours l'avoir avec Top Cage. On va voir. Là je l'ai pas. Je crois que je vais pas l'avoir. Je crois que ça va être drôle, je vais pas l'avoir. Je ne l'aurai pas. Pas grave. On va invoquer le Doppel. On va booster le Doppel. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Non, je vois pas ce que je peux faire. On va se faire une maîtrise. Puisque voilà, on aime la maîtrise des armes, même si ça ne sert pas à grand chose. Et le Doppel, lui, va au moins aller taper avec une petite roulette 58. Ça va peut-être être un peu plus rapide avec le Doppel, vu qu'avec les doubles roulettes, etc. On va bien voir. En tout cas, c'est peut-être un peu prétentieux de dire que c'est déjà une victoire, mais c'est vrai que c'est vraiment pas du tout équilibré. Hein. Ça faisait un... Ouf, par contre, lui, il tape. Lui, il fait mal. Il doit être peut-être sous l'autof. Heureusement que c'est un sacré qu'il a beaucoup de vitalité, parce qu'il fait quand même très très mal pour le level 185. C'est vraiment ça, le gros cheat des Eniripsa. C'est que ça peut faire très mal, vous voyez, du moins 800, pratiquement à 8 PO en ligne. C'est abusé, avec du régène en plus, vous imaginez 400 de régène là. Bah, 400 de régène. Il va se faire du 352 régène. Oh, ça fait plutôt mal. En espérant que Una, lui, en tout cas, il a un bon Rox. Il va déplacer avec mon Doppel, il va aller attirer le Kra, donc ça c'est bien, au moins ça veut dire que ça va être un rush sur nos limites. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et il a un... bâton, j'ai pas fait gaffe, il a un bâton Brel. Ah, il a l'ancienne Una.
Una, Una, je sais pas, il y a l'ancienne. Petit coup de bâton brêle à moins 800, ça fait toujours plaisir. Alors qu'est-ce que va faire Stuna World? Stuna Sword, bon, il n'y a pas de verse, il va peut-être pouvoir venir me taper, voilà, bon, précipitation, Dopu, etc. La routine, quoi, en espérant que c'est pas un roux, en tout cas c'est le roublon. C'est le roublon, oh là là, c'est le yablon de Gad Elmaleh. Oh là là, du moins 500 en Dopu, ça par contre, ça fait plutôt bobo, du moins 1000, du moins 1500, allez, on continue, s'il vous plaît. Roxki, bah tu Roxki qui tu veux, de toute façon, c'est toi qui décides, c'est toi qui vois. Je vais lui dire Kra. Hop, on va lui dire Kra, comme ça au moins c'est sûr. Bon, comme ça je pourrais le finir prochain tour. Ah, ça c'est bien, voilà. Puni, oh là là, moins 1256 à la punie, ça fait plutôt mal. Ce que j'allais dire, comme ça je vais pouvoir finir, eh bien tout simplement, nos limites. Et je crois que oui, je vais devoir aller finir nos limites. Même si j'allais dire, je pense que je vais pas devoir forcément aller la finir. Mais si ça va être obligatoire. Vu qu'elle va quand même réussir à se dégager, elle va sûrement taper Una ou moi. Voilà, moi à moins 712 avec la punitive. Mais nos limites va mourir. Et là, je prends quand même assez cher. Hein, le rush est clairement mis sur moi. En espérant que Una va pouvoir et eh bien tout simplement me sacrifier. Alors, j'ai pas Flamish de montée, donc ça sera un top cage. Parce que j'étais en train de réfléchir pour économiser 2 PA, mais en fait non, ça sert à rien. On va faire un petit top cage. Non, des bluffs, voilà, plutôt. Je me suis trompé. Oh bah je tape bien au bluff, moi 430 x 2 au bluff, c'est plutôt cool. Et le Dopalekka qui va venir, qui va aller lui aussi bien taper le Yop Stunasword. J'ai du mal avec son pseudo, hein. Il a eu combien à la Vita? Il a eu 764 à la Vita. Bon là ça va, je vais résister plutôt bien à Jetli. Et pourtant pas mon Doppel en contrepartie. En espérant que voilà, Una joue juste après, donc il va pouvoir me sacrifier au dopu de Stuna Sword, qui va malheureusement perdre 4 PA, donc 8 PA si ça va quand même faire du dopu tout ça. Alors ça va jouer à l'assaut, moins 300, moins 524, et ça va s'arrêter là, ça va jouer que deux assauts. Ah, et ça c'est bien, merci pour la Vita, ça par contre Una. En même temps il s'optit bien pour la punie. Peut-être prochain tour, ça dépend comment on va roxer Stuna Sword. Sachant que voilà, j'allais dire il est à la ligne d'épée Diop. Ah, il va quand même lancer l'épée Diop à moins 523 et moins 572. Comme ça, Una, il est juste nickel, bien pour la punie, ça dépendra du rox de Jet Li. C'est vrai qu'il aurait dit, tu aurais pu Rox ici, mais il avait pas le, il pouvait pas tacler. Au lieu de se moquer de l'adversaire, lui il ferait mieux de jouer parce que le Kra depuis tout à l'heure, il est en recul par rapport à tout le monde. Bon, il a lâché une grosse punie quand même. Je suis tout à fait d'accord, mais là, c'est vrai qu'il va pas faire grand-chose pendant ce tour de. Ah, si quand même. C'est bon, il a réussi à choper la ligne de vue. Bon, bah nickel tout ça alors. Alors petite roulette à 50 de retrait PM, bon c'est pas très très intéressant. On va le finir au bluff, comme ça au moins ça c'est fait. On va jouer au finisher. Et on va pousser Una pour éviter qu'il ait de la vite, pour qu'il prenne des dégâts de Jet Li et qu'il puisse lancer sa petite punie à 1500. Et oui, ça va être cool. Oh yeah. Ah, il se l'autoffe en plus. Ah, là, il y va, là. Là, il y va au taquet. Oh, il nous enlève des PA avec mot du silence. Mot de non, je croyais que c'était. Mais c'est mot du silence. Il essaye d'enlever le maximum de PA à Una. Mais Una, il va quand même pouvoir lancer sa punie prochain tour. Allez, à plus dans le bus, Jet Li. Parce que là, voilà, grosse punie à 1495. Et Una qui se met en état d'érobade. En espérant que Jet Li n'ait pas des dopous. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire notre petit crabe? Bah, il va pas encore pouvoir faire grand-chose ce tour-ci. Il est vraiment trop resté à l'écart. Bon, il y a vraiment la punie qui était vraiment qui est vraiment décisive, mais là, il a plus fait grand-chose depuis le début.
Là, il va vraiment rien pouvoir faire. Je sais pas comment il veut choper sa ligne de vue là. Voilà, il est en train de réfléchir, mais là, je peux te dire, tu peux toujours essayer de la trouver. À part Arcelante, tu pourras taper avec rien du tout. Donc tu vas passer ton tour avec tous tes PA. Ouais, tu vas relancer Puni, voilà, et Arcelante à moins 63. Ouh là là, quel roxeur! Ouh là! Allez, petite roulette. 50 de TP. Putain, j'aurais pas fait des roulettes de ouf, hein. J'aurais pas fait des roulettes de ouf. Alors, Jet Li. Un petit destin. Un petit bluff. En espérant que ça suffise. Et un petit tout rien. À moins 500, hein. Nickel! Je suis le finisher! Eh, c'est le deuxième colis que je finis dans ma carrière! Car le dernier colis, c'était moi qui l'avais fini. Celui-là, je le finis aussi, bah. C'est plutôt cool. Alors, vous voyez, 6 millions 8 que je gagne, putain! Oh, c'est assez extraordinaire quand même le double XP, hein. C'est même plutôt abusé, j'ai envie de dire, hein. Pour vous montrer, hier, j'ai fait quoi? Hier, j'ai dû faire 3 colis, j'ai dû faire tous mes Doppels. Et j'ai fait un Ouga. J'ai pris depuis hier, sans forcer, hein, vraiment comme si je jouais d'habitude. J'ai dû prendre honnêtement 100 millions d'XP. C'est un truc de ouf, hein! En tout cas, j'espère que ce colis vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Tchuss!